sollicité en ma qualité de vice-président du comité local de Bagnoux-sur-Mer par le président Marcel Loubat, président du comité départemental de la FNACA, j'ai le grand privilège de te remettre le diplôme d'honneur pour les services rendus à la Fédération avec fidélité et dévouement à la cause des anciens combattants en Afrique du Nord. Ce diplôme ouvre droit au port de l'insigne d'honneur de la FNACA. Je voudrais rajouter qu'au nom de notre comité, nos adhérents et sympathisants acceptent, mon cher Rafa, nos sincères félicitations pour cette distinction justifiant ton investissement à notre cause. Un grand méritant et un grand ancien combattant. En tout cas, il a su faire vivre la mémoire de vous, de ce que vous avez vécu. Il a su la transmettre et surtout, sa principale qualité, en dehors de tout ça, c'est qu'il a su fédérer pour faire une FNACA très puissante en amitié, en convivialité, à laquelle on prend tous, en tout cas moi personnellement, beaucoup de plaisir à participer. Et je vous en remercierai jamais tous et toutes, et bien sûr le Président, de l'honneur que vous nous faites d'être si présent et de participer à toutes nos commémorations. Croyez que la ville de Bagnoux-sur-Mer en est très très reconnaissante. Et vous savez que vous pouvez compter sur nous et que nous vous accompagnerons tant que nous pourrons dans cette démarche-là. En tout cas, un diplôme bien mérité, un apéritif bien mérité aussi. Aussi, bien sûr.